Bonsoir à tous. Avons-nous encore une vie privée? Aujourd'hui, nous sommes filmés et surveillés en permanence, dans la rue, au bureau, mais aussi à la maison, où l'espionnage discret devient presque banal. Nous avons suivi Paul et Nicolas, deux maris accros à l'espionnage conjugal. Il faut dire qu'un matériel de professionnel est désormais accessible à tous. Pour quelques dizaines d'euros, on peut traquer, pister, espionner ses proches ou ses collègues. Des salariés qui avaient critiqué leur patron sur Facebook ont été licenciés pour faute lourde. Comment faire pour préserver sa vie privée et sa vie professionnelle? Michael Gagné a enquêté pour Tony Comiti Productions et Zone Interdite. Nous ne verrons pas le visage de cet homme. Il préfère rester anonyme, car ce qu'il fait est illégal. Pour rester discret, il nous a donné rendez-vous dans une chambre d'hôtel. Sur le bureau, un ordinateur et une carte. Ça sert à localiser à quelques mètres près l'endroit où se trouve ma femme. Là où il y a la lettre A, c'est là. Voilà. Quand on me dit qu'elle est au travail et qu'elle est ailleurs, je le sais tout de suite. Sur cette carte, Paul sait exactement où se trouve son épouse. Il la géolocalise. Cela fait 6 mois qu'il la surveille jour et nuit, depuis qu'elle a pris un amant. Les emplois du temps ne correspondent plus aux horaires habituels. On s'aperçoit qu'il y a des changements d'attitude, des changements comportementaux en fait. Donc à partir de ce moment-là, on essaie d'en savoir plus. Sans qu'elle le sache, il a installé sur le portable de sa femme un logiciel espion. Il peut ainsi voir sur son ordinateur chaque appel, chaque message qu'elle envoie. Sur cet écran, sur le côté gauche, ça vous indique s'il s'agit d'un SMS, d'une conversation vocale. Ça, c'est la géolocalisation. Là, les petites flèches indiquent si c'est un appel entrant ou sortant. Là, c'est la durée de l'appel en question. Là, c'est les numéros de téléphone ou les noms de ceux qui appellent. Là, c'est les jours et heures de l'appel. Paul est en procédure de divorce. Et il craint que sa femme ne veuille lui retirer la garde de leur enfant. Alors, il veut tout savoir de ce qu'elle manigance. J'ai appris à un moment donné qu'elle voulait prendre le petit, l'emmener chez ses parents, à plusieurs dizaines de kilomètres du domicile conjugal, et me mettre devant le fait accompli. Donc il a fallu que je prévienne l'avocat, et que l'avocat, évidemment, a fait un référé tout de suite pour que ça ne puisse pas se faire. Sans le logiciel, je suis absolument certain qu'elle se serait servie de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a voulu faire pour garder la maison et garder l'enfant. C'est ça surtout, je ne veux pas être privé de lui à cause de ma femme tant qu'il est petit. Grâce à son logiciel espion, Paul ne rate aucune information. Car non seulement il peut localiser sa femme et lire ses SMS, mais il peut aussi écouter en direct ses conversations avec d'autres personnes. Une simple sonnerie l'avertit quand sa femme appelle quelqu'un. Et à chaque fois, même au volant de sa voiture, il ne peut s'empêcher de décrocher pour l'écouter à son insu. Sa femme parle de son amant à une amie. Et comme souvent, Paul est troublé. Je ne sais pas à qui elle a parlé, là. C'est ça qui m'embête un peu. C'est toujours très dur d'entendre certaines choses. L'effet pervers est celui-là. Malgré cela, Paul ne peut plus se passer de son logiciel.